Ça s'est passé surtout en deux grosses phases avec les étrangers qui sont arrivés le 14 novembre et on a commencé à travailler physiquement avec eux et individuellement. Et puis ensuite le groupe des internationaux qui sont arrivés le 3 décembre. Et là, tout en continuant à travailler physiquement et individuellement, on a pu mettre en place quelques séances collectives pour je dirais, juste travailler les bases avant Noël. Ça, c'était important et là où on en est à l'heure actuelle, je suis plutôt satisfait parce qu'on a mis tous nos principes, je dirais, à plat, tous nos principes collectifs. Donc après, à partir de là, au mois de janvier, dès qu'on rentrera après le break, de ces principes-là, il va falloir prendre des décisions, que ce soit sous la fatigue ou pas. Donc voilà, tout ça pour arriver crescendo vers le match amical, puis le premier match à l'UQR. Mentalement, déjà très très déçu, frustré de leur campagne internationale. Donc il a fallu un petit peu, beaucoup discuter avec eux parce que voilà, ils ont pris deux fois 40 points contre les Anglais. Et, physiquement, 90% sont rentrés fatigués, usés, avec des petits bobos justement liés à cette fatigue, rien de très inquiétant, mais voilà, des petits bobos à soigner, que le staff médical a dû s'employer un petit peu à faire disparaître au fil des jours. Donc voilà, chaque année c'est toujours le même problème, la même problématique, et voilà, tant qu'on n'aura qu'un seul club français en Super League, ce sera toujours le même problème. Donc, offensivement, on va mettre quelques petits principes en place pour s'améliorer, pour continuer à évoluer collectivement et voilà, défensivement. Défensivement, c'est pareil, c'est 2-3 axes de travail pour être meilleur que les années précédentes. Pas de gros changements, on veut surtout pas ça. Ce serait illogique de le faire vu que le groupe est le même, mais par contre, travailler un petit peu plus dans les détails, le but étant toujours de travailler dimanche, de week-end après week-end pour gagner les gros matchs, notamment les phases finales. Oh, il y a une super ambiance, c'est un groupe sain, je ne cesse de le répéter, mais c'est le cas, c'est un groupe sain et l'arrivée de trois recrues n'ont pas été choisies par hasard. Voilà, c'était pour se fondre dans ce groupe. Donc ça c'est un constat. Le deuxième constat, c'est que on parlait de groupe des 25, mais on peut parler d'un groupe de 30-35. Le travail fourni par Steve Deakin et son équipe est remarquable. Donc je sais que je peux m'appuyer là-dessus et je sais que c'est un challenge pour ces jeunes-là de rentrer dans le groupe des Dragons. Très bonne impression. Brent Webb, je pense qu'il est arrivé le mieux préparé de l'équipe physiquement. Il est en pleine possession de ses moyens. Dès le jour où il a posé le pied sur le sol français, on a vu qu'il était prêt à jouer, prêt à en découdre physiquement, mais aussi mentalement. Zeb Taya, de grosses qualités physiques et maniement de ballon exceptionnel. Donc c'est tout à fait ce qu'il nous faut dans notre philosophie de jeu offensivement. Une seconde ligne qui est capable de jouer comme un centre, voilà, ça nous convient à la perfection. Et défensivement, il est fort comme un roc, donc, et agressif comme Louis Anderson. Donc voilà, je sais que ça va plaire au public de Gilbert Brutus. Olivier Lima, voilà, qui arrive, qui a fait également une bonne tournée, une campagne internationale, voilà, qui est arrivé comme, un petit peu comme les autres internationaux, fatigué également, mais qui est en train de semaine en semaine à se mettre à son niveau qui est le sien, et je sais que ses coéquipiers attendent beaucoup de lui. Ça se passe très bien. David White et Adam Traipas trouvent leur marque de jour en jour, également auprès des joueurs. Donc voilà, ça se passe très très bien. Physiquement, on est Adam était très très satisfait des joueurs, puisqu'en termes de musculation, ils ont tous évolué, ils ont tous amélioré leurs tests. Donc voilà, pour un préparateur physique, ça c'est toujours important et ça fait toujours plaisir. Et David White, individuellement, a mis l'accent sur les petits détails
qui voulait faire travailler avec les joueurs. Donc voilà, on est en train de tous se mettre en place, on a tous notre partie et il faut tous se concentrer sur chacun dans son domaine. Je sais que les résultats sont très, très importants, mais les résultats ne viendront que si chacun fait du bon boulot, et pour faire du bon boulot, il faut apprécier le boulot qu'on fait. Donc ça, c'est très, très, très important, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau du staff. On passe beaucoup de temps, beaucoup d'heures, les joueurs également. Mais il ne faut pas oublier quand même que il faut aimer ce qu'on fait. Il faut, et donc à partir de là, si chacun prend du plaisir dans le quand c'est dur, quand on y passe des heures, et bien je sais que le groupe va vers la réussite.